Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ce mois de décembre. Donc voilà, le premier mois de l'hiver qui commence par une petite course à pied dans la neige parce qu'il a neigé chez nous tout en bas. Voilà, c'est marrant de voir les images de la neige puis de l'été juste là où il n'y avait donc pas encore la neige évidemment. Donc c'est bien, il a neigé en bas, mais il y a quand même un tout petit problème dans le fait qu'il ait neigé en bas. C'est qu'il n'y a pas eu de neige en haut, c'est-à-dire que quand on est monté en altitude, donc autour de 1000 mètres, c'est-à-dire l'altitude du Vercors, comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas neigé, il a juste plu. Et du coup, bah, il n'y avait déjà pas beaucoup de neige à la base, et là, il y en a encore moins. Donc on a vu Aubin et Charlie passer à une vitesse démesurée. Pourquoi tu fais des doigts, Charlie? C'est parce que t'as le seum d'avoir pété une canne ce matin? Un petit commentaire sur la séance de ce matin, mec? J'ai pas le seum parce que comme ça, je vais utiliser mes nouveaux bateaux. C'est in the boîte? No man. No man. Ah, la coupe de cheveux magnifique. Fin de cette première journée de stage. On est donc à Autran sur le plateau de Gève. Ce matin j'ai rien filmé, pluie diluvienne. Salut à tous, je vous présente une groupie, Adrien Givello. C'est le roi voilà. Du sprint ce mec. Lui c'est carrément l'empereur du sprint. Et après ça passe la qualif. Pas comme tout le monde ici. Ça passe pas l'écart par contre parce qu'on est mauvais. Parce qu'on est fatigué de l'échauffement. J'afficherai son palmarès, je vous dis, c'est incroyable son palmarès. Avec ça le va roi être du speedfond national. Yes. Non. Tu rajoutes. Donc là, on est actuellement au lycée. Et dehors, il pleut. Donc là voilà, dans une demi-heure, on va être en train de skier sous la pluie comme ça, ça va être cool. Voilà, il n'y aura peut-être pas d'image de cet apocalypse, mais... T'en refais en moi, là. Je ne comprends pas. Oh le bâtard, il attaque. Ah, il y a une gigantesque goutte désormais. Pourquoi pas? Quoi? Pourquoi pas? C'est horrible. Donc on s'est retrouvé pendant 3 jours en stage à Villard-de-Lans au lycée. Et comme vous pouvez le voir sur les images, il n'y a pas de neige. Bon là il y a un peu de neige qui tombe mais on n'était pas sûr que c'était de la neige. Et là il y a Mathis Desloges qui fait une vitesse, c'est somptueux. Préparatif pour la coupe du Dove des 7 lots. Donc au programme de ce stage, on aura eu ici du ski skate. On aura eu aussi pas mal de ski classique. Là c'est le seul endroit de neige de cette année. Parce que c'était de la neige à Calais. Voilà, à part cet endroit, c'était pas mal, c'était quand même pas mal. Et malheureusement, ce sera pas tout le mois de décembre, oui. et on va bien faire que ce soit d'ailleurs tout le mois de janvier ou de février. Hein. On espère quand même que la neige va finir par tomber. Là, je vous mets le palmarès de notre coach, Cyril Gaillard. Participation aux Jeux Olympiques, etc. Donc évidemment, un palmarès bien fourni. Et ça, c'est la petite descente, ça fait plaisir à la fin de l'entraînement. Pour clôturer ce stage de 3 jours qui aura pas été très intense mais qui aura été par contre très pluvieux. Il a neigé. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de... Oh il neige. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de neige que dans le Vercors, que l'on ne voit plus hein, d'ailleurs, hein, qui est derrière le brouillard. Voilà aujourd'hui, petit entraînement club à Champs-Rousses. Pour la première fois de l'hiver parce que jusque là je pouvais pas y aller. Donc voilà, on va commencer avec, avec ça. Donc c'est les gants Infinium Gore-Tex. Voilà, ça va floquer le petit logo de Champs-Rousses quoi, finir sortir. Le bandeau qui est juste ici. Le petit cadeau de Noël.
Voilà, finalement je me déguise en Père Noël. Voilà, des collabs entre Swix et Suprême. Donc de retour à l'entraînement club, voilà, ça fait plaisir parce que j'ai pas souvent pu y assister cette année. En général, voilà, j'ai cours en plein pendant l'entraînement club qui est le samedi matin ou le mercredi après-midi. Donc voilà, là je suis de retour sur le plateau de l'Arcelle, il a neigé, donc ça fait vraiment plaisir. Là j'ai sorti les skis courses pour cette petite séance d'intensité. Donc 10 fois une minute en préparation de la Coupe du Dauphiné qui était censée à la base avoir lieu au Sept-Lot, qui n'aura pas lieu finalement. Il était question de la reprendre à Champs-Rousse. Mais finalement, ça n'est pas le cas. Basile. Les prévisions ne sont pas assez bonnes. Aujourd'hui, on est au col de porte parce que je devais avoir une voiture aujourd'hui, mais non. Donc je vais continuer à prendre le bus et c'est quand même là où c'est le moins chiant. 15h50, il n'y a personne sur les pistes. Tout simplement parce que c'est la finale de la Coupe du Monde de foot. Voilà, et malheureusement, pas de Coupe du Dauphiné ce mercredi. Petite pause pour regarder le premier pénalty pour l'Argentine. Bon. Surcoté le foot. Donc du coup, pour remplacer la Coupe du Dauphiné qui avait dû avoir lieu à Champs-Rousse sous le format d'une Indy Skate, on a fait une Mastart classique sur le plateau de Jeff. C'était un peu le seul endroit où il y avait de la neige où on pouvait faire une course. Donc là, on est dans le deuxième tour avec Charlie qui est dans mes skis, qui accroche un peu moins bien que moi, mais qui glisse beaucoup mieux. Donc il revenait systématiquement dans la descente juste après. Là, il y a Aubin qui a déjà pris un petit écart. Voilà, ça, ce petit aller-retour, car on va nous voir dans la descente, ça nous permettait de voir un peu les écarts, donc c'était sympa de skier correctement. C'était pas des conditions faciles pour un chrono, mais on s'est quand même battu. Là, on est dans l'avant-dernier tour, j'ai mis un petit écart à Charlie, qui de toute façon va revenir dans la descente, donc je pense qu'il a pas beaucoup paniqué. En gros, ça aurait été ça, un peu tout le chrono, et finalement, je lui lance une ultime attaque ici, dans le dernier tour. Juste après la fin de cette vidéo, j'appuie vraiment l'attaque, ça n'a pas suffi malheureusement, il m'a rattrapé dans la dernière descente et il me bat pour quelques secondes, mais voilà, la forme est là. Oh, le grand angle, c'est une belle avance. Oh oui, oh, la petite attaque peut-être. Très heureux d'être là quand même, ça se voit pas, mais enfin, je pourrais être en train de jouer à Fortnite. Dieu sait que je le cache bien, mais je suis pas. Salut à tous, je viens de finir ma séance de muscu. Voilà, la Coupe de France dans 5 jours. Si elle a lieu, ce sera la course la plus importante de l'hiver. Et d'ailleurs, je remercie encore Hydrascore pour leur soutien pour cette saison. Voilà, merci à eux parce que j'ai pas de plus de fringales en fait à l'entraînement et ça, c'est quand même un bonheur. Donc voilà, n'oubliez pas le code BASIL15. Je vous mettrai le lien en description pour leur site internet et BASIL15 pour avoir 15% de réduction. Histoire de bien commencer l'année 2023. Oh
Oh regardez l'endroit où il n'y a pas de neige là, c'est le Vercors. L'endroit où il y avait. Attends. C'est globalement le haut de la. Ah oui, la croix de Champs-Rousses. C'est globalement l'arche. Bon, il y a un peu de neige quand même. Ouais, un ressenti sur le portage. Ouais, ouais. Ok. Oh. Excellent argument. Top. Aujourd'hui, c'était une petite séance de seuil en classique. Voilà, on est à 3 jours de la Coupe de France. Et voilà, là on est à la Fécla. C'est un peu le seul endroit où il y a de la neige avec l'Alpe d'Huez. Mais j'avais un peu la flemme d'y aller. Quoi qu'il arrive, cette vidéo va sortir dans un ou deux jours. Donc la Coupe de France, ce sera un ou deux jours après. Voilà, en tout cas, j'espère que ce mois de décembre vous aura plu. Nous, on aura fait comme on a pu parce qu'il n'y a fait que pleuvoir. Et voilà, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, ce serait cool. Il y a encore plein de belles vidéos qui vont arriver cet hiver. Là, ça va être un mois de janvier, un mois de février, bien plus chargé au niveau des courses, au niveau des projets. Et puis moi, je vous dis, du coup, dans 4 ou 5 jours, le temps que je publie la vidéo sur la course de Prémanon, en espérant de toutes nos forces qu'elle aura lieu. Salut !